À mon avis, ça va être un peu trop frais là. On a vu qu'il y avait des courants frais qui tapaient sur la zone de Genève, tout ça. Du coup, on va un peu s'éloigner. On va essayer d'aller voir d'autres zones, je pense, où on peut gratter quelques degrés. Déjà aller en face, je pense, pour se mettre un peu à l'abri du vent. À l'abri du vent. Enfin, sonder. Et puis, on a un petit thermique qui s'est levé. Normalement, ça dure pas longtemps. On va voir comment ça se déroule. Ouais, ça va. Doucement, c'est gros. Ouais. Doucement. T'inquiète, je ramène. J'ancre. Allez. Fais gaffe ton frein. Il y a du courant, mec. Il arrive. Yes. Le gars, où il est le leurre, là? Le leurre tendance nautique. Ah, celui-là, il le voulait. 90, top. 90 tout pile. Bon, bah voilà, un joli poisson pris sous la surface avec le répliquant du magasin. Le vert là, Chartreux, le matin, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il matche bien avec un dos bleu herring là, dans les eaux claires des lacs, ça marche bien. 90. Ouais. Nickel. Tout doucement sous la surface, ouais. Et puis boum, la touche. Parfait. Magnifique. Allez, on va en faire d'autres. On continue, ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup là? On continue. On continue un peu. Là, on a pris un poisson dans. On avait bateau dans 15 mètres, classique. On pêche relativement sous la surface parce qu'il n'y a pas énormément d'eau. Les poissons, on en a vu quelques-uns qui étaient beaucoup décollés. Là, on a une eau qui a quasiment 19 degrés. Il y a pas mal de poissons, il y a du courant. Du coup, les poissons, ils sont énormément collés contre les cassants. Il y a très peu de poissons au large et du coup, bah, on va essayer de répéter ça plein de fois. Là, on pêche face au courant, là. Ouais. Face au courant ? Là, on se faisait emporter par le courant. Là, non, mais nos leurres, là, ils avancent face au courant. Donc si je lance derrière, ils vont être portés. Ouais, du coup, il va falloir mouliner plus vite. Mais il faut trouver le sens parce que toi, ton poisson, tu l'as fait par derrière. C'est-à-dire que ton leurre, il descendait le courant. Ouais, bien sûr. Et des fois, moi, ça m'est arrivé, tu pêches que comme ça, et si tu pêches autrement... J'aurais bien fait, tu sais, on met le bateau dans 6 mètres et on jette un peu 3 quarts et on remonte la pente là où on les a vus, là. Ok. En pêchant sur le fond. Ouais, vas-y, ouais, carrément. Parce que là, il n'y a plus grand-chose. Oh, c'est mort de fou. Ah, c'est pas gros. Elle l'a coffré là. Tu veux un coup de main? Tu veux que je te dé? Bah, je veux bien le gant et la pince. Ouais. Voilà. Bon, petit poisson, hein, mais au Wolfric 20, on est descendu un peu à taille. Et voilà, il était un peu décollé. Et il est bien monté prendre le Wolfric. Bon, bah là, du coup, on a rentré un petit poisson. On est un peu dans le dur. Ça fait depuis ce matin 10h qu'on n'a pas repris de touche. Enfin, très peu, quelques touches, mais pas de poisson rentré. Et on a du mal à trouver le coloris. On les déclenche pas trop sur des coloris naturels. Du coup, j'ai opté pour une petite taille, comme ils répondent pas trop aux grosses tailles. Du coup, là, c'est un Wolfric Shad 2.0 en 20 cm. Celui-là, il est très transparent, en fait. Il est nacré bleu. Il a une grosse ligne orange qui est bien agressif et il est tranché avec un peu perche contrastée, là. Et ce coloris marche très bien en lac, là. Quand il y a la luminosité, bah là, elle est très haute, hein. Il est 14h. J'aime bien passer très haut avec ce leurre-là, ils le voient de très loin. Après, bon, soit ils montent, soit ils montent pas, mais souvent ça déclenche des beaux poissons. Voilà. Effet réfrain ouvert. Ah ouais? Oh, regarde. Tu gères le pilote? Je te dis, c'est énorme.
Il y a 115 plus, je pense. Ouais. Ah, je l'ai vu. Je suis ancré. Ok. Fais gaffe, il est en train de remonter, j'ai l'impression. Il va remonter en surface, ouais. Ça, comme ils font d'habitude. J'ai juste pas envie qu'ils écrochent parce que je l'ai vraiment pas ferré. Allez, allez. Oh, comment c'est lourd! Il y a peut-être 120. Tu veux le suivre? Ouais, je gère, t'inquiète. Ok. Là, il y a beaucoup très très gros. Je vais tourner peut-être le bateau pour pas qu'on ait la sonde. Laisse-moi passer devant. Laisse-moi passer devant. Ouais. Non, tranquille, tranquille, je te l'amène par là. Je te l'amène sur un côté. Ok. Ok, tranquille, okay. Il est là. Oh, si c'est un glane. Oh! Je l'ai vu, il est énorme. Je vais essayer de l'amener de l'autre côté, je vais faire ce que je peux. Ouais. Non, mais te prends pas la tête, hein, sinon. Coupe l'ancrage au pire. Ah, mais là, si c'est après, on va dériver avec le vent. Non, on avance à zéro. Ouais, ok, ça marche. Il y a le courant dans le sens contraire. Oh mon pauvre, j'arrive pas à le tirer. Hein. Là, ça va, je pense. Ah, mais là, tu vois, avec le vent, en fait, qui nous pousse. Mais je peux, de toute façon, je peux pas faire grand chose. Je vais te l'amener. Je pense qu'on est en fin de combat. Oh, c'est pas si gros que ça. Ouais. C'est mes traits, mais je sais pas si gros. Je vais pas ça. Ah, t'as vu comme il te vide. Oh, regarde comme elle sente la canne. C'est un bon combat, allez, hein. C'est cool. C'est ça qu'on aime. Ah, pas fini. Hein. Je vais doucement, je vais tendre la TP. Ok, je recule à l'arrière. De toute façon, je pense qu'on a un peu le temps. Oh, il se bat. Ouais, grave. Surtout pas ouvrir la maison. Il arrive. Tranquille. Je suis au fluoro, il y a 5 mètres. Okay. Je vais essayer de lui faire tourner pour lui amener la tête. Oh si, il est pas vilain. Ouais, il est prêt. Ouais, attends. Attends. Là. Yes. Oh, il est fort. Ouais, trop bien. Yes. Voilà un gros. Okay. 112. Bon bah du coup, juste après le petit poisson là, gros qui est tombé. Toujours le même, on a eu un changement de temps, les poissons ils étaient complètement posés sur le fond. Le vent s'est levé, poissons qui sont montés dans les couches d'eau, le leurre touchait la surface, je ramenais pour passer dans les 2-3 mètres sous la surface. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce leurre, il le voit très très bien. Il est monté, coffré complet. J'ai encore fait ma petite bêtise, j'ai ferré un peu frein ouvert. Enfin, j'avais pas resserré mon frein. Je l'ai repris, je l'ai bien referré, il avait le trait bien planté. Et puis, gros combat à la clé, c'était super cool. Et puis voilà, on va essayer d'en faire d'autres. Je pense qu'il y a moyen d'enchaîner. Il arrive. Ah, ok. Hop, parfait. Au top. Bon bah bien. Yes. Tiens, cadeau. Thank you. Bon, ça fait 60, 70. Ouais, ça fait un poisson. Hein. Ça fait un poisson. Oh. Petit pike. Ouais, il me casse la gueule. Et il est... Eh, celui-là marche super bien aussi. C'est les anciens. T'es le violet, pailleté. Ah ouais. Des fois, quand ils veulent la paillette... Ah, c'est lourd quand même, hein. Oh, c'est pas monstre, mais... Ah. Oh non. C'est chaud. Elle est la coffre quand même. Hein. Les coffrets. La coffre quand même. Putain, c'est ouf. Nickel. Tiens, hop, t'as la pince, le gant. Je veux juste le gant. Hop, petit poisson.
avec les anciennes couleurs là, les Wolfric un peu argentées, la luminosité elle est un peu baissée, faut de la paillette. Voilà, voilà. Bon bah du coup on se fait un petit débrief fin de pêche, là il est 17h, on va rentrer tranquillement, le vent commence à se lever. On a eu du mal au début à démarrer, on fait un poisson de 90, après on a eu un gros creux jusqu'à 13h là. On a beaucoup tourné quoi. Beaucoup tourné en fait, le problème des les courants ont vidé les dérives, les dérives qu'on pêchait d'habitude, les dérives étaient vides. Les poissons, il y avait quelques poissons qui étaient collés sur les herbiers, très difficile, les eaux à 16, ils tombaient jusqu'à 16. En tournant, on a enfin trouvé une zone avec de l'eau à 20 degrés. Toujours ces courants, mais l'eau était chaude et du coup, les poissons tournaient sur cette zone. Nous, on a tourné en même temps dessus. Et là, on a rentré pas mal de poissons. Hein. On doit faire une petite journée à 10 poissons, 8-10 poissons. Voilà, avec un très beau poisson à 112,5 là, qu'on fait sur les coups de 15 heures. Et sinon, des poissons, on fait quoi, un 86, puis des poissons de 60, 70. Une pêche correcte, c'est pas facile non plus en ce moment avec les courants qui font bouger un peu les dérives. Un peu de touches quand même non concrétisées, mais bon, ça fait partie de la pêche. On vous a fait une petite sélection des 4 leurres du coup avec lesquels on a touché des poissons aujourd'hui. Du coup, je vais vous présenter là les deux réplicants qu'on marchait aujourd'hui, qu'on a développé de nous, avec des coloris inédits. Du coup, c'était sur des tailles de 23 cm qu'on a touché aujourd'hui. On a touché sur du blue herring et sur le chartreux là. C'est deux leurres qui ont bien tourné aujourd'hui, qui brassent de l'eau. Très souvent, on a remarqué quand on touchait au réplicant, on ne touchait pas au Wolfric et vice-versa. Voilà, c'est suivant l'activité du poisson. Ça a marché ce matin. Ouais. En fait, ce matin, quand la luminosité n'était pas trop haute. Voilà, vous pouvez les retrouver sur notre site Tendance Pêche, hein, il reste quelques exemplaires. Et après, du coup, les deux coloris de Wolfric qu'on marchait aujourd'hui, sur la pleine journée, plein cagnard vraiment au-dessus du lot, au-dessus de quasiment tous les autres coloris, légèrement transparent, bien marqué noir, ventre rose-orange là. Très bien marché aujourd'hui, il a fait le 112,5 celui-là, en 20 cm, les 2.0 qui sont aussi sur notre site. Et celui-là par contre c'est un ancien modèle, hein, des petits stocks qu'on garde chez nous, mais celui-là par perso. Contre... perso. Et celui-là, voilà, c'est un 23 cm, c'est les anciennes versions, avec des gommes un peu plus tendres. Celui-là, il a bien marché au coup du soir, là, quand la lumière a commencé à s'abaisser un petit peu, on a rentré un ou deux poissons dessus. Voilà, les leurres avec lesquelles on a touché du poisson aujourd'hui. Bon, du coup, on a fini cette petite journée, c'est la fin de cet épisode 4 au Léman. Et puis, bah, si vous avez d'autres idées, vous pouvez les marquer en commentaire. Voilà, on ne sait pas trop encore sur quoi s'orienter, on a plusieurs idées. Voilà. Ça dépendra de ce qui mord. De ce qui mord, carrément. Et on va vous laisser là-dessus. Et puis, nous, on va se rentrer. Bien joué, bonne journée.